Les forces armées de la République démocratique du Congo ont répondu de la manière la plus forte aux attaques de leur position de Malé, Mouchaki, Roubaya et environ dans le territoire de Massissi, en violation du cessez-le-feu par la coalition M23 RDF la semaine dernière. Affirmation du lieutenant-colonel Djike Kaiko, porte-parole des forces armées de la RDC en province du Nord Kivu, qui rassure la population de Goma et Sake. Je tiens à vous confirmer ici que Roubaix, cette cité minière, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Non seulement ça, mais aussi à Sak, où l'ennemi a tenté de mettre en insécurité et la cité de Sak et la ville de Goma. Elle a subi la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet ennemi continue à subir cette puissance parce que l'ennemi continue à reculer. Au moment où je vous parle, ni Sak, ni Goma, ni Roubaix, aucune de ces entités ne sont menacées parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont été instruites, n'est-ce pas, de protéger, n'est-ce pas, toutes ces cités, mais aussi, y compris bien évidemment la ville de Goma, et de repousser l'ennemi. À l'heure où je vous parle, nous sommes au-delà des Kings. Respectueux du droit international humanitaire, le commandant opérationnel Sokola 2, le général Moyo, a instruit la libération de personnes arrêtées lors des opérations dans cette zone attaquée par la coalition M23. Après enquête, ajoute le colonel Njiki Kaiko. Au regard du mode opératoire ennemi, nous nous sommes rendus compte que l'ennemi préparé à les exterminer pour mettre cela sur les dos des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais hélas, nous sommes une armée professionnelle et respectueuse du droit international humanitaire. Nous les avons gardés et après qu'ils soient verbalisés, aujourd'hui, ils sont libres de tout mouvement. Ils seront libérés tout de suite là pour qu'ils puissent chacun regagner son domicile. Lors de leur libération, ces personnes, dont celle de l'ethnie Tutsi, ont dit merci à l'armée loyaliste. Et nos agents se sont retrouvés dans la zone rouge. Tenez, le combat se poursuive un peu plus loin, Sake, toujours en territoire de Massissi.